En travaillant comme adjoint, vous aurez votre propre entreprise. Vous serez le patron, un entrepreneur. Lorsque vous allez atteindre 30 000 piastres de vente, vous allez vous inscrire à la TPS. Ça va aller vite au début, les premiers mois. Non, mais après 4-5 mois, là, vous allez voir que ça va grimper très, très vite. Après ça, vous pouvez déduire. En étant à autonome, vous pouvez déduire votre téléphone, votre Internet, vos réparations d'ordinateur, même les dépenses d'auto, autrement dit, selon les déplacements. Puis vous travaillez de la maison, une partie des dépenses de la maison, autrement dit, pour le bureau, la place que vous allez prendre. Si vous êtes habile avec le service de paye, à ce moment-là, vous pouvez faire des payes pour ceux qui vont travailler, parce qu'il va y avoir des vendeurs qui vont travailler à l'heure, puis d'autres vont être autonomes. Fait que ceux qui veulent travailler à l'heure, à ce moment-là, si vous voulez prendre le service des payes, c'est pas moi qui vais faire ça. Je vous laisse tout ça à vous, vous êtes là pour faire de l'argent. Moi, je suis juste là pour publier, pour recevoir des annonces classées sur le site, autrement dit, des activités d'annonces classées. Un formateur ou un vendeur que vous avez formé, il peut pas vous quitter avant que vous ayez fait 300 $. Fait que, autrement dit, si vous formez, mettons, deux formateurs, autrement dit, par semaine, mais vous êtes sûr qu'au moins vous allez avoir 300 $ avant qu'il vous quitte. Il peut pas vous quitter, autrement dit, c'est parce que il faut qu'il soit bien formé, autrement dit, parce que vous alliez le former peut-être 2 heures, mais après ça, il va vous rappeler souvent. Pour des petites questions. Fait que tout ce petit travail-là, il faut que ça vous rapporte au moins 300 $.